Bonjour, bonjour. Ici Wapoko de Patrick Alain, votre serviteur. Tout amoureux de Dieu, tout amoureux de la vie n'est qu'un serviteur. Les enfants que nous faisons, c'est pourquoi? Ils viennent vous servir la vie. Ils viennent pour continuer notre vie. La joie que nous partageons, la joie que nous dégageons, c'est pourquoi? C'est juste pour servir. La paix que nous donnons. La paix que nous recevons. Qu'est-ce qu'elle crée? Elle crée une joie. Donc elle connecte au cosmos. Le cosmos n'est que joie, n'est que paix. L'univers n'est que joie, n'est que paix. En grosso modo. Nous sommes la synthèse de tout ça. Juste il y a un homme qui est témoin à qui tous les paramètres de sa charge ont été confiés pour ouvrir les yeux de l'humanité à cette vérité qui est éternelle, exactement comme une fréquence qu'il a depuis plusieurs milliards d'années. L'éternité, parce que la vie n'a pas de début, donc elle n'aura pas de fin. Donc il y a un homme, the one, élu, qui est chargé de distiller la vérité cachée dans les écritures à l'humanité tout entière. Cette vérité que les bantous. Au passage, il faut savoir que tous les. Il y a eu qui appellent plusieurs peuples en Afrique. Plusieurs peuples. Mais le peuple qui s'est distingué par son intelligence, par sa science, par sa force, par sa capacité de maîtriser les éléments de la nature. Et ce peuple-là qui est le peuple pour tous et tout, donc forcément à un moment donné, tous les autres ont dû se rallier parce qu'ils ont vu que c'était la seule solution. Soit c'était ça, soit ils disparaissaient. Donc peut-être pas besoin, juste pas souci de continuer d'exister, même si non, c'est pas forcément la mentalité, c'est la méthodologie de ce peuple-là qui avait déjà compris que l'univers tout entier n'est qu'un système informatique. Et qui a commencé à la base déjà informatiser même ses langues. Même ses langues. C'est sa culture. Dans la langue n'est que le coffret de tous les secrets d'un peuple. En fait, la langue n'est que l'écrin, la banque, la cachette, le code de déverrouillage de tous les secrets de tout peuple. Toute civilisation. Mais attention, dans secret, il y a secret. Davantage quand il s'agit du peuple le plus puissant. Il faudrait que les plus grosses banques au monde ont le même système de codage que les banques ordinaires. Non. Voilà pourquoi la Bible, qui ne recèle que des secrets du peuple bantou, à ciel ouvert, bien qu'elle soit à ciel ouvert, combien arrive à décrypter ce qui y est? Les plus naïfs pensent que comment on appelle ça, la langue française, la traduction orale de la Bible en langue française, alors que la Bible est bien écrite africaine bantou. Les plus naïfs pensent que le français qu'ils lisent dans la Bible doit être compris tel qu'il a écrit. Non. C'est un message codé qui a des destinataires. Destinataire, c'est celui à qui a écrit un message. Donc, quand il le voit, il le comprend tel qu'il a écrit. Destinataire, c'est pas celui qui voit un message, qui le lit de façon furtive. Il te le lit comme ça. Il dit, ah, j'ai vu quelque chose, j'ai appris quelque chose. Non, il se trompe. La
Bible, la parole de Dieu, les secrets de l'univers, une langue qu'on appelle l'Esprit Saint. Le seul esprit, il n'y en a pas deux. Voilà la langue de la Bible, de la parole de Dieu. La parole de Dieu est écrite simplement en Dieu lui-même. On dit toi que Dieu même c'est une langue écrite en Dieu lui-même. Donc si tu ne parles pas Dieu, tu auras beau avoir tous les diplômes du monde, tu auras beau être un expert en je sais pas quoi, franc-maçon, en tout ce qu'il y a comme cercle, tu seras un gros mouton avec le bec dans du caca. Parce que la Bible ne fait que nous ressortir la technologie la plus effrayante. Quand on te parle des ténèbres, sache que les ténèbres sont la maison de Dieu. Je te dis quoi? Je te dis l'antre de l'empathie. Penses-tu que quelqu'un qui aime tout le monde raisonne comme tout le monde? Quelqu'un qui aime et les bons, et les méchants, et les malades, et les idiots, et les enfants éternels, et les... qui prend pitié tout le monde, qui ne déteste personne, qui comprend tout le monde à sa juste valeur, qui accepte tout le monde, qui accueille tout le monde, et qui lutte par la loi du pardon. C'est une loi, donc elle a son paramétrage. La loi obéit à une certaine limite. Le pardon obéit à une certaine méthodologie. Rappelle-toi, système informatique, ce sont les données que tu entres qui te donnent un résultat probant ou zéro. Donc les ténèbres, c'est le siège de Dieu. Donc, ne permet pas à des idiots qui se font appeler démons et autres, hein, Satan, je ne sais pas quoi, d'y être. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Les ténèbres, c'est la maison de Dieu. C'est le siège du royaume de Dieu. Et comme des idiots, des ignares ont voulu imiter Dieu, ils ont voulu s'arroger ce titre-là. Non, Dieu ne partage pas. Voici en quoi est-ce que Dieu est jaloux. Son trône, il ne le partage pas. Vous avez des yeux pour voir. Vous l'aurez compris. Les ténèbres, c'est le trône. C'est bon. Les ténèbres de son. Le siège, sinon le trône de Dieu. Voici son vêtement. Voici sa maison. La lumière n'est qu'une toute petite partie de ce que Dieu est. Voilà pourquoi pour le découvrir, il faut fouiller. Il faut fouiller. Il faut fouiller et encore fouiller. Même quand tu crois avoir compris, il faut continuer de fouiller. Dieu ne se laisse pas découvrir comme ça. Connaît sa valeur. Voilà pourquoi il n'attend pas grand chose de quiconque. À la limite, il n'attend rien de personne. Est-ce qu'on s'est compris? Ok. Aimer Dieu alors, c'est aimer le domaine du noir. Voici la couleur de la tenue du roi de gloire. C'est le noir. Donc, quand tu aimes seulement toutes les situations déjà gagnées d'avance, déjà claires, déjà
déjà simple. Tu es encore un fœtus sur le plan spirituel. Dieu, c'est la difficulté à outrance. Dieu, c'est l'exagération dans la tempête. C'est l'exagération dans le stress. Il ne se laisse pas trouver facile. Jamais. Tu peux le prier à avoir les bénédictions qu'il faut parce qu'il n'est qu'amour. C'est tout. Donc il n'est pas méchant pour personne. Voilà pourquoi le soleil blesse tout le monde. Mais toucher son cœur, vivre avec lui, c'est l'apanage de ceux qui ont des cœurs de guerriers, qui ne badinent pas, qui ne lésinent pas sur les moyens pour aller le plus loin possible. Voilà la demeure de Dieu, très haut. Sauf que même quand il est sous vos yeux, il prend l'apparence contraire à tout ce que vous êtes imaginé. Oui, l'homme s'imagine des choses. Dieu est concret. Je vous donne un exemple, une vraie femme, qui c'est cette femme qui m'attire. Elle ne marche pas avec n'importe qui. Non. Elle toise, elle scanne jusqu'à l'os. En général, les femmes les plus avisées font des enfants avec des personnes très simples, pas idiotes, mais des personnes très simples, des personnes qui ont une grande qualité, qu'elles-mêmes, après l'enfantement, développent en leurs enfants, en y ajoutant cette pincée de fraise qu'on appelle la patience. Dans la sérénité, quelle que soit la tempête, voici la demeure.